c'est pas les premiers festivals que notre public vont faire sous la pluie. Faut venir habiller et on peut faire la fête pendant 3 jours, c'est parti. La plupart sont plus en train d'acheter des bottes et des polaires plutôt que de dire bon bah on va rester un week-end au chaud quoi. C'est la deuxième fois que je joue à Adra et c'est excellent. Il a plu beaucoup, il y avait de la boue partout, mais c'était quand même rempli. Moi je pense, chapeau en fait, joli danseur. Adra, c'est une découverte, c'est quelque chose. C'est une symbiose avec la nature, le respect des autres, le respect de soi-même et tout. C'est quelque chose qu'il faut découvrir, qu'il faut vivre. Adra, ça ne s'explique pas, ça se vit. La musique tigane a toujours rencontré d'autres cultures, elle a toujours voyagé dans toutes les directions et ça se combine très bien. J'aime bien tous ces sons urbains et électro qui se mélangent bien avec de la vie, la musique tigane vivante. We played in many French festivals actually, and we know that it works. Like the beat is there, you know, it's like melodies, and people get into the electronic element of it, but they also like the acoustic. We'll be right back.
Thank you. Good night. I'm really amazed. They don't care about the weather. They just go out, dance, wait, and only one ray of light, of sunlight. Wow, they go crazy. It was really good. The idea is superb. It's a good vibe to share. And just keep on going.